Allez, c'est parti. Charles Baudard et Damien Chantrel se sont lancés un défi, et pas des moindres. Rejoindre la Turballe de Nantes en kayak. 100 km en 3 jours. Un défi avant tout sportif, mais pas seulement. On a pour but de vraiment de soutenir les enfants malades, les enfants atteints du cancer, hein, qui sont juste à côté ici au CHU de Nantes. Et vraiment le but, c'est de réaliser quelque chose d'inspirant pour eux. D'où le fait que j'ai l'arbre derrière, hein, c'est un symbole de force. Et notre but là, c'est d'arriver jusqu'à la Turballe pour aller le planter là-bas. Un défi au service du petit Ruben, 6 ans, atteint de leucémie et hospitalisé ici derrière ses fenêtres du CHU de Nantes. Il a regardé le défi, les kayakistes partir par la fenêtre. Il n'a pas de mots en fait. Il ne comprend pas pourquoi il y a autant d'attention envers lui. Il aimerait tant être un garçon comme les autres, prendre ses activités d'un enfant comme tout le monde, comme tous les autres. Retourne à l'école, aller dans les parcs à thème. Voilà, retour à la maison, jouer avec sa sœur. Du coup, c'est peut-être une bouffée d'air pour lui. Là, il n'avait qu'une seule envie après avoir vu les kayakistes, c'est de retourner en salle de jeu. Direction Saint-Brévin pour nos deux compères. Pour leur deuxième étape, dans 2 jours, ils iront de Saint-Brévin à la plage de la Gauvelle, à Batte-sur-Mer. Arrivée prévue à la Turballe le 30 juin prochain. On l'a plutôt pensé en termes de plaisir, même s'il y a un défi sportif. Mais c'est voilà, voir des paysages et permettre aux enfants aussi, par la suite, de pouvoir voir les paysages que nous, on a vus. Et ça donne vachement d'énergie, quoi. En effet, les enfants pourront découvrir de leur lit d'hôpitaux les paysages traversés par les deux sportifs grâce à l'achat de casques virtuels. Pour cela, une collecte de dons sur Internet vient d'être lancée.